Je m'appelle Françoise Doucan, je suis maître verrier, installée sur Aubagne depuis 2002-2003. Avant ça, je faisais du vitrail sur Aubagne et depuis quelques années maintenant, je fais ce qu'on appelle du fusing. Le fusing, c'est de la fusion de verre, donc c'est pas un souffleur de verre, c'est un autre métier dans le verre. Superposition de matière. Ça passe au four à plus de 800 degrés. Et pour cela, on utilise ou des morceaux de verre, ou des copeaux de verre, des grains de verre, des paillettes, des stringers, donc des spaghettis, ou de l'émail liquide aussi pour pouvoir réaliser les œuvres. Alors, c'est de l'émail liquide, donc ça s'apparente à la céramique, hein, bien sûr. Et le verre, où il est déjà coloré, ou alors je le colore moi-même, mais juste en surface, pour donner une couleur qui m'est propre. Quoi, en fait. Je fais des crédences de cuisine et salle de bain tout en verre, sur mesure bien sûr. Donc auparavant, je me déplace chez le client, je prends les codes bien entendu, je prends des photos, on passe du temps ensemble. Ensuite, le client revient à l'atelier. À la suite de ça, on va voir par rapport aux photos que j'aurais prises, qu'est-ce que je peux leur conseiller pour les crédences de cuisine et salle de bain. Ensuite, je fais aussi des tableaux. Ou sur commande ou pas, puisque là je suis en train de faire une série, justement pour les fêtes, une série de voiliers, puisqu'on est en bord de mer, donc enfin, la mer n'est pas loin d'Aubagne, donc toute une série de voiliers. Je fais aussi donc de l'art de la table. Alors la particularité de cet art de la table, c'est que comme ce sont des produits qui ont été cuits à plus de 800 degrés, donc on peut mettre tout ça aisément au lave-vaisselle. La couleur ne part pas, puisqu'on est vraiment que dans la matière, c'est pas du décalcomanie, c'est pas de la peinture, donc c'est inaltérable. Et je sais que chaque année, comme je participe depuis, ça va être la troisième année cette année, la troisième fois, au marché des santons et des céramiques, les céramiques d'Aubagne, qui se tient du 16 novembre au 29 décembre. Donc voilà, je fais aussi des sculptures que l'on peut voir à plusieurs endroits dans Aubagne. Non seulement on peut le voir au village des Santons en Provence qui se situe en centre-ville d'Aubagne, vous pouvez voir plus de 3000 Santons. Et vous pouvez voir aussi d'autres Santons à moi dans la super galerie que l'on a à Aubagne qui s'appelle la Galerie L'Argila dans la rue de la République. Donc ça c'est un projet et un partenariat qui est né il y a 2 ans. J'ai créé un paravent en 2010 qui m'a donné l'opportunité d'aller représenter le savoir-faire français à l'étranger. Grâce à un paravent, donc j'en suis très très fière. Et je fais aussi des supports de table basse. Et là, j'ai ouvert Terra Fusing au 9 rue Louis Blanc à Aubagne depuis octobre 2018, donc c'est aussi très récent. Mais ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans le verre.